On présente les Diablitos de la communauté de Buruka. C'est des masques que j'ai non seulement collectionnés, mais gardés avec grand respect. La communauté de Buruka se trouve sur la côte pacifique sud du Costa Rica, à quelques kilomètres de la frontière du Panama. Chaque fin d'année, mais une fois par an, pendant 3 jours, se commémore la résistance aux conquistadors, qui est incarnée par un taureau en bois, qui est un masque aussi, et la défense de l'identité et de la culture des Brunca. La fiesta, que l'on appelle fiesta, mais qui est plus un jeu et un rituel qui se perpétue donc chaque année, enseigné par les Indiens. Mais ce n'est pas une fête comme on l'envisagerait, ce n'est pas un carnaval, c'est vraiment un rituel. Le jeu est la représentation de la bataille contre les conquistadors, pour laquelle les masques deviennent des armures. Les diablitos sont revêtus de palmes et de tissus pour combattre le taureau. Les masques de l'exposition ont été utilisés lors des rituels depuis l'année 1995 et ont tous été portés par les diablitos. Ce masque, c'est vraiment aussi un masque, puisqu'il a les yeux là pour regarder. Il a été porté. C'est un masque blanc, parce que les masques les plus anciens et les plus traditionnels sont blancs et non pas repeints comme il y en a d'autres. Et il est intéressant parce que c'est l'oiseau, l'aigle, qui est un emblème de force pour les Indiens et qui a l'Indien à l'intérieur de lui. Donc c'est l'Indien qui s'identifie à cet aigle et qui prend la force de l'aigle. Et c'est pour ça qu'aussi souvent sur les masques qui ont des plumes, ils reportent les plumes d'oiseaux qu'ils ont été tués eux-mêmes dans la forêt. La nuit, ils dorment la nuit dans la forêt, ils tuent eux-mêmes des gros oiseaux et ils couvrent leur masque de ces plumes. Nous voulons présenter cette exposition non en tant qu'artisanat, mais comme des œuvres d'artistes avec lesquelles nous entretenons des rapports d'amitié et de respect. Ronald.